aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très spéciale. Donc je suis maintenant avec Ludo. D'ailleurs t'es en train de m'enlacer là où je rêve là? Ouais mec, c'est parce que ma voiture est vraiment très petite. Du coup j'ai pas forcément beaucoup de place mec. Ok, surtout que t'es vachement balèze et que tu ressors de la salle. Ici Ludo me conduit quelque part à l'heure actuelle. Est-ce que tu veux donner un indice sur où tu me conduis? Un indice mec, un oiseau. Un oiseau, donc dites-moi si vous, vous savez exactement de quoi on parle. Allez 3, 2, 1, vous avez tout mis en commentaire. D'ailleurs Ton like, là, celui qui n'a pas encore liké. Et voilà, en fait, il m'emmène à l'aéroport parce que je pars à un pays qui a deux couleurs, donc le blanc et le rouge, mais ce n'est pas la Pologne, c'est tout simplement Malte. Ah oui, mec, j'étais occupé de réfléchir parce que moi, je suis vraiment pas fort en géographie, Nobo, et du coup, je connais que la Belgique. Tu connais que la Belgique. Mais genre oui. Même la France, tu sais pas ce que c'est. Bleu, blanc, bleu, un truc comme ça. Oh là là, mais t'es vraiment trop nul. Donc ici, il va me conduire à un petit aéroport. Donc j'ai déjà mon petit sac et tout qui est à l'arrière. Je vais partir avec mon ami du coup Toluk Nomis. Et en fait, ce qui va se passer, du coup, c'est que j'ai personne pour m'occuper de la chaîne YouTube, tu vois. Oui, voilà. Voilà, donc je vais te laisser t'occuper de la chaîne YouTube pendant 2 jours, tu vois. What? Genre pendant 2 jours, la chaîne YouTube, elle est à moi? Ouais, ben non, elle est pas à toi. Non. En gros, tu pourras de ton PC aller directement faire des vidéos. Tu vois, genre, en gros, non, tu pourras faire des vidéos, tu me les enverras et moi, je les uploaderai sur ma chaîne. Oh, ouais, nice, mais c'est trop gentil, ça, mec. Et gros, y a pas de souci. Et c'est surtout pour s'occuper de ma chaîne parce que sinon, elle va rester vraiment toute seule. Bon, par contre, tu fais pas de bêtises parce qu'à un moment, je vais devoir te donner mes mots de passe, etc., tu vois. Donc. Pas de bêtises. Oh non, t'inquiète pas, pas de bêtises, mec. Franchement, j'ai déjà des idées et tout en tête. De toute façon, tu sais très bien ce qui se passe si tu fais le berlot. Je reviens ici en Belgique, je te fracasse la tête. Oh non, c'est bon, t'inquiète pas, je ne ferai aucunement de bêtises. Mais par contre, mec, tu me donnes vraiment ta chaîne YouTube et genre. Non, je te donne pas ma chaîne YouTube, je te fais juste travailler dessus le temps que je suis en vacances. Ouais, mais je voulais déjà la renommer Ludo 2. Gros frère, franchement, fais des bêtises comme ça, c'est mort pour toi, ça va? Mais ouais, d'accord, ça va, t'inquiète pas, mec, vraiment, je vais pas faire ça. Ok, ça va. Bon, les amis, trêve de plaisanterie, etc. Moi, je vais en direction de l'avion, donc faites vraiment attention à vous. Moi, j'espère être toujours en vie une fois que je sortirai de là. Ouais, juste ça à te dire, par contre, mec, reste quand même en vie, Nobo, hein. Ouais, t'inquiète, reste en vie. Bon, allez, à toutes les boys. C'est bon, les gars, je viens d'arriver chez Nobo. Là, il est totalement à l'aéroport, le mec de son avion. Attends, mais il y a pas moyen de le voir. Ah non, parce qu'il part pas maintenant. Il part seulement que dans une heure. Là, il est 14h09. C'est dire que son avion il part à 15h et moi je suis actuellement chez lui. Regardez, c'est bien sa maison, ça peut entrer juste là et le balcon est juste au-dessus. Mec, franchement, Nobo, si tu passes par là, parce que je sais très bien qu'il va voir cette vidéo, mec, je suis désolé. Moi je suis le roi des prendre. Par contre, il y a juste un problème, c'est que là je suis devant sa maison, sauf que je sais pas comment rentrer. Et du coup, il n'y a pas sa maman, il n'y a pas sa famille, du coup, je sais pas où aller. Oh non, c'est fermé, mec, je sais vraiment pas comment faire. Mais sauf que moi, je sais ce qui se passe. C'est quand parfois, quand ils vont faire les courses ou quoi, il y a toujours une clé, mec, cachée dans le jardin. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer d'aller trouver la clé. Par contre, je sais vraiment pas comment je vais faire. Parce que, mec, s'il y a vraiment un grand jardin et il y a des poules, mais moi, je veux pas aux poules. Moi, perso, j'ai peur des poules. Mec, mais par contre, attends, mais comment tu veux que je trouve? Mais ça vraiment est horrible. Sérieusement, Nobo, il aurait pas pu me laisser une clé. Mais après, non, je pense pas qu'il m'aurait laissé une clé comme ça. Mais mec, ça vraiment est très compliqué. Attends, je cherche, mec, dans les cambrousses. Mais mec, c'est vraiment horrible. C'est clairement horrible, mec. Et si, je sais que très bien quand il va rentrer de Malte, je vous le dis, hein, je suis mort, moi, parce que mec, il aime pas ça se faire prank. Et moi, j'adore le prank, sauf que Nobo, ces temps-ci, il est vraiment très vénère. Et du coup, mec, s'il tombe sur moi, je suis mort, mec. Mais comment je vais faire ça? Oh, mec, attends, pas moyen de trouver un peu dans les branches? Oh là, c'est vraiment des gros bois ici, mais comment tu veux que je trouve des clés ici, mec? C'est pas possible, ça. Oh, oh les mecs, j'ai trouvé des clés, je pense. Ah oh, oui, j'ai des clés de la maison. Ok, ils sont... Ah ouais, normalement c'est ça, ou alors je pense que c'est l'abri de jardin, ça. Ouais, non, je pense que c'est clairement les clés de la maison, mec. Attends, je vais essayer, je vais aller tester la clé, mec, si c'est ça, franchement, je suis un dieu. Ah, attends, allez, ça fait prie. Oh, mec, c'est ça, c'est les clés de la maison, gros. Oh, oh les gars, je suis tellement chez Nobo, mec. Oh, portée. Ah, il y a les chiens, coucou les chiens. Mec, moi, ce qui m'intéresse directement, gros, c'est son setup. Salut les chiens, comment vous allez? Eh, vous savez pas, mais votre mec, je vais le proquer. Je suis à toi. Allez, c'est parti. Moi, je monte directement dans l'ample du guerrier. Mec, il va me tuer. Je suis totalement mort. Eh, oh, il y a Mila qui est avec moi. Mila, c'est le chien d'Hugo, les mecs. Et clairement, Mila, elle va clairement m'aider aujourd'hui, je pense. Hugo! Ah ben non, il y a personne parce qu'il part à Malte. Oh là là, bordel. Ah oh, ouais, mais sachant, mais elle est vide, mec, tellement. Parce que, en fait, je vous explique, il part à 15h. Et du coup, ben, il devait tracer. J'ai dû l'amener à l'aéroport vu que monsieur n'a pas de voiture. Et là, regardez juste là, il y a son PC, les mecs. Par contre, non! Il y a un mot de passe au PC. Attends, je pense que... Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais retourner chez moi parce que chez moi, mec, j'ai une clé USB qui me permet de craquer tous les PC. Genre, je peux ouvrir tous les PC comme je veux. Je suis revenu de chez moi, les mecs. J'ai ma clé USB. Par contre, où est-ce que je vais la mettre? Attends, elle est juste là. Hop, je vais la brancher au PC. Ok, c'est bon. La clé, normalement, elle est mise. Par contre, maintenant, je vais allumer le PC. C'est parti, mec. Petit PC, allume-toi. Nobo, si tu passes par là, t'es vraiment un loser, mec.
Mec, il va vraiment me tuer, gros. En plus, connaissant Nobo. Ah ouais, le mot de passe est juste là. Hop, normalement, la clé fonctionne. Et oui, ma clé fonctionne à merveille. Attends, je suis où là? Qu'est-ce qu'il fait, mec? Attends, mais attends. Ah, il est occupé de faire ses factures pour sa comptabilité, mec. Mais attends, je vais un peu regarder ce qu'il fait. TikTok de Nobo? Comment ça? Attends, mais c'est une blague ou quoi? Nobo, il fait TikTok? J'étais même pas con qu'il. Oh! Mais les gars, Nobo, il a un compte TikTok, les mecs. Je savais même pas que Nobo avait un compte TikTok. Mais allez vous abonner à son compte TikTok, ça lui fera quand même plaisir. C'est Nobo le bobolet, mec. Attends, mais regardez, on va regarder ce TikTok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il danse avec un singe? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il fait trop le boxeur, mec. Quand il va revenir, gros, je vais le déglinguer, Nobo. Moi, j'ai pas peur de toi. Et un match, là, j'espère, mec, qu'il fait super mauvais, qu'il y a pas de soleil et tout comme ça. Mec, tu vas, quand tu vas rentrer, tu vas être trop déçu. Parce que regarde, moi, comment il fait beau, mec, d'or. Une rupture, je disais, la plupart des monstres. Hein? Quoi, t'es un monstre, tu prends pour un monstre, tu fais une espèce de croquette. Oh non, je rigole. Oh, si j'entends ça, je suis mort. Par contre, moi. Ah, voilà. J'ai trouvé Nobo. Il est là. C'est Nobo. Qu'est-ce que Nobo fait? Mais il va se noyer, Nobo. Nobo. Oh bordel, vraiment j'en ai marre. Bon allez, je coupe TikTok parce que sérieusement TikTok c'est vraiment une drogue. YouTube, moi ce qui m'intéresse le plus c'est sa chaîne YouTube, mec. Attends, elle est juste là. Votre chaîne, je suis sur la chaîne de Nobo, mec. Nobo, ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est surtout de voler ta chaîne YouTube, mec. Je vais la prendre rien que pour moi. Et t'es totalement mort, gros. Attends, par contre, les gars, je pense que j'ai une petite idée. J'ai vraiment clairement une petite idée, sauf qu'en fait, l'idée que j'ai, c'est qu'il va me tuer si je fais ça. Parce qu'en fait, je vous explique. Sur YouTube, il y a un petit logo validé. Tu vois, le petit logo qui est juste là. Attends, petit focus. Allez, focus. Ah, ok, vous voyez. Nobo, comme il a plus de 100 000 abonnés, il a exactement 378 000. Donc, abonne-toi si tu veux que Nobo atteigne les 400 000 abonnés. Et le truc, c'est que quand tu atteins les 100 000 abonnés, ah ben, tu as le petit logo validé. Sauf que si tu renommes ta chaîne, tu ne pourras plus jamais être validé, mec, parce que YouTube valide que le pseudo là. Et moi, mec, j'ai ma petite idée, mec, parce que j'ai envie de pranker Nobo jusqu'à fond, tu vois. Vu que pendant 3 jours là, j'ai sa maison rien pour moi, mec, il est parti, grosse grenouille. Bah, franchement, je vais sauter sur son lit, je vais tout faire, mec, il va vraiment devenir fou. Par contre, ça va être 3 jours de bonheur, mais quand il va venir, je vais vraiment être vraiment dans le caca, mec, il va vraiment me tuer, hein. Et du coup, je pense que je vais renommer sa chaîne Ludo. Ludo plus fort, Ludo le plus fort, genre mec, il va vraiment avoir le seum parce que lui il déteste quand quelqu'un est plus fort que lui, parce que lui vous savez bien quand même il fait de la muscu tout plus longtemps et tout, et il déteste ça. Et du coup moi, ma petite idée, je vais pas le faire aujourd'hui par contre, sauf, attends, si à 5000 pouces bleus, je vous jure les gars, 5000 likes, je renomme sa chaîne. Mec, moi je suis un malade, moi je plaisante pas en fait. Moi tu me cherches, t'es mort, mec. Bon allez c'est parti, attends je vais quand même aller en personnaliser la chaîne. Par contre il est abonné à qui lui? Ok, oh, regardez les gars, je regarde les vidéos de Nobo là, mais il est abonné à plein de chaînes YouTube, mec. Attends, il est abonné à moi, mec, encore eux que t'es abonné à moi, Nobo. Franchement, si t'étais pas abonné à moi, mec, j'allais t'en vouloir, vu que t'es quand même mon meilleur pote, mec. Et attends, mais sur son PC, oh mec, ses conversations Instagram, gros. Parce que ouais, les gars, Nobo, il est aussi Instagram, regardez, c'est Hugo Spitals, il est juste là. C'est quand en même temps, je pub sur Instagram, comme ça, au moins, il va être content, tu vois, et il va pas me voir à fond. Attends, mais mec, il fait trop le malin sur Instagram, gros, c'est quoi, ça? Espèce de croquette, bah, si tu passes par là, mec, t'es vraiment une grosse croquette, Nobo. Mec, attends, il parle à plein de filles ou pas, Nobo? Oh, bordel, il parle à plein de filles, mec. Nobo, il fait que ça. Allez, elle, ok. Oh, mec, bordel, il parle tellement à des filles, gros. Mais ça croche, je savais pas qu'il parlait autant de filles, mec. Oh, Nobo, si tu vois cette vidéo depuis mal, je suppose que t'es en dessous d'un cocotier occupé de siroter un coca ou du cocktail. Mais je sais que tu vas être vénère, mais s'il te plaît, mec, comprends-moi. Je suis Ludo le gros nain, le plus grand prankeur de tous les temps. Je suis obligé de faire ça, mec, tu comprends. Allez, Nobo, passe des bonnes vacances et n'en viens pas parce que, mec, tu me fais pas peur. Ciao!